Oh, mais quelle est cette créature de rêve? Quelle élégance! Quel chic! Quelle allure! Quelle distinction! Je vous demande pardon, chère madame, mais vous êtes parisienne sans doute, non? Alors, vous êtes étrangère. Ah, je vois ce que c'est. Vous voulez garder votre mystère. J'adore le mystère. Moi, naturellement, je suis parisien. Ah, évidemment, évidemment, je ne suis plus de première jeunesse. Je viens d'avoir la quarantaine. Il y a quelques années déjà, d'accord, d'accord. Mais je vous en supplie, madame. Dites-moi votre nom. Vous savez, vous m'avez ébloui, conquis, subjugué. Je vous en conjure, chère madame. Enlevez votre loup et permettez-moi de contempler en vous les trois grâces réunies en une seule. Mais contemplez tout ce que tu voudras, Léopold. Comment? C'est vous, Zénaïde? Mais comment se fait-il? Et c'est grâce à Nicolas et aux produits de beauté de Monsieur Hyacinthe. Mais vous êtes ravissante, éblouissante, ensorcelante. Et tu n'as encore rien vu, Léopold. Je vais t'apprendre la dernière nouveauté de Paris. Oui, oui. Le baiser ravageur. Ah oui, oui. Ah, Monsieur Hyacinthe. C'est merveilleux ce que vous avez fait là. Je ne sais comment vous remercier pour ça. Ah oui? Et maintenant, pour moi, tout est fini. J'ai perdu ma commandite de 10 millions et je suis ruiné. Je dois fermer mon institut et licencier tous mes employés. Mais non, mon cher monsieur Hyacinthe. Car grâce à vous, j'ai trouvé le bonheur. N'est-ce pas, Zénaïde? Mais oui, Léopold. Aussi, je vais être votre commanditaire pour les 10 millions. Oh! Ah, merci. Merci, merci, monsieur Montaron. Laissez-moi vous embrasser. Non, non, non. Ce n'est pas nécessaire. Ah, Nicolas, Gisèle, où allez-vous comme ça? Mais patron, vous m'avez mis à la porte, donc je m'en vais. Gisèle et moi, nous partons en vacances à l'île Maurice. Oui, et nous comptons nous marier là-bas, dans le beau site de Varangues-sur-Morne. On vous enverra une carte postale. Mais non, vous ne partez plus. Quand grâce à monsieur Montaron qui me commandite pour 10 millions, je vous garde. Et je vous augmente. Je vous commandite, oui, mais à une condition. Laquelle? C'est que Ferdinand devienne votre associé en même temps qu'il devienne mon gendre. Accordé. Je ne serai jamais votre gendre. Et pourquoi? Parce que Gabriel ne veut pas de moi. Parfaitement. Et quand je dis non, c'est non. Puisqu'il t'aime à l'extrême, dis-lui oui. Non, 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 mademoiselle Gabrielle, dites oui. Non, 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 pardonnez ces erreurs, écoutez votre cœur, dites oui. Non, 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 pour pouvoir le mener par le bout de son nez, me dites oui. Non, 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 je ne suis plus rien pour. Entre nous, tout est fini. Vous pouvez lui dire oui. Non, non. Si vous dites encore non, il se noie en votre nom. Mais dites oui. Non, 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 non. Ferdinand, il vous aime. Il ne vit que pour vous. Dites oui. Non, non. Il veut vous opprimer. Vous allez le ruiner. Dites oui. Non, non. Il faudrait en finir car il va. Elle ne comprend rien, j'emploie les grands moyens, dites oui. Non, non. Ah mon Dieu, c'est beau, à présent je dis oui, 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 recommençons. Ferdinand et Gabriel, vont enfin nous raconter. Je vais rester toujours bien.
fidèle. Et moi je crois en l'avenir. Moi j'épouse ma Gisèle, car c'est mon plus grand désir. Moi je vais épouser ma bonne, et je serai te dans le thé pour être patronne. Et Bolivar, tu me pardonnes, quand tu remas par rideau. Yeah.